Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour une vidéo spéciale six pack durant laquelle je vais vous proposer ma séance, ma routine abdo. Pour chacun exercice que je citerai, je ferai un bref rappel technique, même si la plupart d'entre eux ont été déjà traités par la chaîne. Et enfin, je spécifierai la zone musculaire où le travail sera focalisé, même si dans l'absolu, les abdominaux ne représentent qu'un seul même muscle. On va s'apercevoir qu'en fonction de l'endroit où sera initié le mouvement, certaines zones seront plus stimulées que d'autres. Écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ma routine abdo. En premier exercice, nous avons les crunch pulley haute à la corde, un mouvement qui va surtout focaliser le travail sur la partie supérieure de vos abdominaux. La flexion étant initiée par le haut du corps, et de ce fait, les abdos raccourcis à partir du sternum. Au niveau technique, je vous rappelle, l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devront en aucun cas changer durant l'exercice. Il en va de même pour les cuisses qui devront rester constamment à l'aplomb de votre bassin. Et surtout, ayez cette volonté de véritablement vous mettre en boule. Rapprocher un maximum le sternum du pubis, qui est la fonction première des abdominaux, en expirant fortement de sorte à vider l'air abdominal et ainsi favoriser la contraction musculaire. En deuxième exercice, nous avons le relevé de genoux suspendu à la barre fixe, mouvement dont la flexion, contrairement au crunch pulley haute à la corde, sera initiée par le bas du corps avec un enroulement du bassin, mettant ainsi l'accent sur le bas de vos abdominaux. Au niveau de la technique, assurez-vous d'avoir un corps bien stable, serrez bien les fessiers, contractez bien, serrez bien également les jambes. Commencez le mouvement, les genoux légèrement sous la parallèle, ne commencez pas les jambes à la verticale, puisque le premier tiers du mouvement, ce seront surtout vos muscles fléchisseurs de la hanche qui vont faire le travail. On tient un maximum à maintenir la tension sur les abdominaux, donc les genoux légèrement sous la parallèle. Et surtout, lorsque vous effectuez votre crunch, votre flexion, enroulez bien le bassin, encore une fois, ayez cette volonté de rapprocher le pubis vers le sternum. En troisième exercice, nous avons mon exercice d'abdos préféré. Il s'agit de l'abrola haute que j'effectue personnellement avec la roulette. Si vous n'avez pas de roulette, le cas échéant, vous pouvez très bien le faire avec une barre, comme d'ailleurs Alexandre Herbert vous l'avait montré lors de sa démonstration, ou avec des haltères. Au niveau technique, démarrez bien le mouvement, les bras tendus en maintenant léger flex au niveau du coude. Les bras devront être à l'aplomb de vos épaules. Serrez un maximum les fessiers, serrez les cuisses, gainez un maximum au niveau des abdominaux. Rentrez bien le ventre de sorte à activer ce fameux transverse qui va d'ailleurs participer à ce que vous ayez une taille très fine, très important le transverse. Vous poussez vers l'avant jusqu'à ce que le corps soit parallèle au sol sans le toucher, à l'instar d'un Superman, et vous revenez en position initiale, mouvement qui offre un stretch tout bonnement exceptionnel. En quatrième exercice, nous avons l'exercice d'oblique, il s'agit du woodchop à la poulie haute, woodchop qui littéralement veut dire couper du bois, et comme vous pouvez le voir, cet exercice retranscrit un peu le mouvement de hache d'un bûcheron, donc mouvement qui va surtout focaliser le travail sur les grands obliques. Il s'agit en fait d'une rotation de buste. Au niveau technique, les pieds sont écartement largeur du bassin, une légère flexion au niveau des genoux, vous maintenez le bas du corps fixe, c'est-à-dire que les hanches ne devront pas bouger, les bras sont tendus avec les mains au centre de la poitrine, pareil, verrouillez bien le haut du corps et effectuez uniquement une rotation de buste, rotation qui est d'ailleurs une des fonctions motrices des obliques. De temps à autre, je troque cet exercice contre un autre exercice d'oblique qui vise plutôt la flexion latérale, de sorte à travailler les obliques véritablement dans leur ensemble. Si vous êtes intéressé pour une vidéo un peu plus précise sur la technique du woodchop, qui à mon sens est un superbe exercice, vous n'avez qu'à vous exprimer en commentaire sous la vidéo. Et voilà qui conclut ma routine abdo, une routine que j'effectue deux fois dans la semaine en tâchant de maintenir 48 heures entre chacune des séances. Il faut bien qu'il récupère également. Alors ce n'est pas la routine parfaite, mais c'est la routine qui me correspond et qui me réussit le plus. Et au moins le choix de tous les exercices m'assure de travailler mes abdominaux dans leur ensemble. Alors deux points sur lesquels j'aimerais insister. Premier point, essayez de maintenir le ventre rentré durant tous ces exercices afin de stimuler et d'activer ce fameux transverse qui, je vous le rappelle, est vraiment primordial pour le maintien ou pour obtenir une taille très fine. Deuxième point, notamment sur les obliques, je vous déconseille de les travailler avec des charges très lourdes. Je vois trop de personnes encore en salle faire des flexions latérales avec des charges très très lourdes. Vous allez faire pire que mieux, c'est-à-dire que vous allez vous épaissir la taille plutôt qu'autre chose. Voilà pourquoi moi personnellement, je préfère travailler les obliques avec des charges assez légères et des séries assez longues, en me concentrant véritablement sur la contraction de mes obliques. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien.
Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. MyMuscle qui vous offre un vaste choix de compléments à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et à ça, MyMuscle vous offre en guise de bienvenue un code promotionnel de moins 20% sur votre première commande avec ce code qui s'affiche à présent. Et à la suite de quoi, vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Bien sûr, le lien du site sera également en description de la vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut. We'll be right back.